Bon, petite session de 20 minutes sur Spa. Alors, je n'ai pas su malheureusement me qualifier, mais c'est pas grave, j'en ai 7ème sur 10 sur la grille. Et on verra bien un petit peu ce que ça va donner. Alors, ici, le premier, je pense qu'il roule en 2,19 quelque chose, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est approximativement du même niveau que moi. Donc, du coup, bah, on va essayer de faire une belle course, forcément, rouler propre, comme d'habitude. Ça, c'est le. C'est le mieux à faire. Beaucoup de BME. Et on est parti pour... Pour cette session, let's go, bon départ. Ok, bon départ. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va se décaler. Hein. Ok, c'est propre. J'ai pas voulu forcer parce que bah forcément la BM qui est derrière était pas loin. Alors toujours le premier tour avec moi, bah, c'est toujours compliqué parce qu'il faut que les pneus chauffent. Mon but là c'est de rester vraiment dans les pare-chocs des autres là pour aller rester dans le peloton. Là pour le moment c'est parfait, tout se passe bien. On met un peu de distance derrière, ça c'est bien. Bon, ça perd l'adhérence devant. Faut faire attention. Pour les retours. Faut pas trop perdre de temps ici. Avec une la petite Lexus devant. Comme ça, on restera vraiment dans le. J'ai relâché parce que forcément les pneus sont pas à chaud du tout. Alors, je sais pas ce qu'il m'a fait. Je sais pas ce qu'il m'a fait avec sa Lexus là du coup. Mais bon, le but. Ah, je passe. Audacieux. Audacieux. Mais ça passe. Ok. Allez, let's go. Là, on essaie de revenir sur la BM de devant. Audacieux de faire l'intérieur juste avant le raidillon. Ça passe. Et maintenant, forcément, bah, on va essayer d'aller chercher la BM devant, essayer de trouver un bon rythme. Essayer d'aller chercher un bon rythme. On sait qu'on peut passer en dessous de la barre des 2,20 faciles.
On va essayer aussi de forcément mettre un peu de la distance avec la Lexus. Parce qu'elle a bon rythme aussi. Elle reste collée à 1 seconde 5 plus ou moins. Ouh, je glisse. Oh, je glisse. J'espère que... Ah oui, forcément. C'est logique. C'est logique. Ok, 2,20. On tombe bien. On a mis une petite distance avec la Lexus maintenant. Très bien. Et là, le but. C'est d'aller rechercher la BM devant. Allez. On pousse bien là. On voit qu'il glisse, hein. On voit qu'il glisse bien comme il faut devant. Un tout petit peu. Allez. Ça va être une belle bagarre, je pense. Surtout qu'en plus, il roule vraiment bien. Et à plus ou moins dans le même temps que moi. Donc, du coup, ça va être une belle bagarre. Ah, c'est bien ça. C'est bien. On voit qu'il a un peu de difficulté aussi. Ça glisse aussi pour lui. Donc c'est parfait. Ça va être une belle bagarre. Ça, ça va faire plaisir. Nickel. On grappille encore un peu de temps. On revient bien dessus. Ah, elle aime bien quand c'est comme ça. Bien joué. J'ai pas osé pousser. C'est propre, c'est bien. J'avais dit que ce serait une belle bagarre. Il roule bien. Ah, c'est plaisant de rouler comme ça. Bon là j'ai pas forcé, donc j'espère en tout cas qu'avec lui quand ce sera mon cas, il ne forcera pas non plus. Ça glisse. Oh, il défend. Il défend bien, mais en même temps un peu un peu hard. Le problème c'est que du coup il y a une McLaren qui s'amène à fond derrière. On est en train de perdre du temps à la place de jouer Ucha et la souris. Il faudrait avancer parce qu'on a une McLaren à moins de 3 secondes là. Les pressions des pneus sont parfaites. Donc là c'est de la pure bagarre. Ça fait vraiment plaisir.
Allez, on compte sur la relance de la Porsche. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il défend bien et à la fois très fort. Donc il n'hésite pas à forcer les portes. Proprement, s'il te plaît. La seule chose que je te demande. À force de pousser trop, il s'est envoyé tout seul dans le décor. Dommage, ça aurait été vraiment une belle bagarre. Maintenant, il va falloir faire attention à la McLaren parce que on a perdu énormément de temps. Donc la course n'est pas gagnée pour autant. Il n'y a pas eu de touchette, donc c'est vraiment lui qui a soit mangé le vibreur, ce qui m'a déjà arrivé plusieurs fois. Maintenant, le tout, c'est vraiment de rester concentré parce que la McLaren, elle va pas attendre. Ça, c'est clair. Je pense qu'il est vraiment en train de revenir. Je pense qu'il roule très très bien. Focus. Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, c'est pas terminé. Il est pas loin. Il est vraiment pas loin. J'espère vraiment juste que le gars avec sa BM ne l'a pas pris mal. On a toujours des personnes qui sont malheureusement un peu aigries, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Où ils t'attendent au prochain tour et qui malheureusement te rentrent dedans. Bon bah ça malheureusement c'est un peu le problème. Allez, on gagne un petit peu de temps là, c'est parfait. On remet un petit peu de temps avec la McLaren, on lui met un petit peu de distance. On respire, c'est bien. Come on. Pas hésiter à bien prendre sur le côté ici. Pour se relancer, mais je glisse beaucoup. Hein. Je suis en train de me rendre compte que je glisse énormément. Tant les pressions sont bonnes. Ouais, là, on peut partir à la faute. Hein. On peut vraiment partir à la faute assez rapidement. Donc, il va falloir faire vraiment attention. Allez. Ah, ça fait plaisir quand on gagne un petit peu de... Quand on grappille un tout petit peu de temps comme ça. C'est parfait. Toujours passé en deux ici. Hein. Oh. Allez. Là, on passe en dessous de des 2 minutes 20. Ce serait vraiment parfait. Et pourquoi pas aller chercher notre meilleur temps. Ce serait vraiment sympa, ça aussi. En pleine course. Ce serait exceptionnel. J'avais dit que ça glisse. Ne pas perdre du temps.
et forcément ne pas faire des erreurs. Et là vous avez vu hein, il suffit simplement que la course avance et du coup il faut s'adapter à son pilotage. Faut faire très attention. Malheureusement on a perdu énormément de temps là, on a perdu presque une seconde, c'est énorme. On a un petit peu d'avance mais il faut pas en jouer. Mais la voiture réagit bien. Alors pourquoi est-ce que ça glisse? Je ne sais pas trop. Voilà, la preuve. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est la fin de la course? Et du coup, bah forcément, bah, l'usure des pneus. Ce qui serait logique. Mais ça se déporte déjà depuis mieux course, ce qui est un peu bizarre, mais bon. On a une belle bagarre en tout cas avec la BM. Ici, on a un petit trou de 3,5 secondes. Avec la McLaren, j'ai vraiment cru qu'elle allait revenir, mais je pense que du coup, bah, tous les pilotes ont un problème de pneumatique, ou alors ça glisse pour tout le monde. On va essayer de maintenir. On va essayer de maintenir la McLaren à plus de 3 secondes. Ça glisse. Ça glisse énormément. Je l'ai senti dans le volant. Là, ça a fait clac d'un coup. Ouh. Bon, malheureusement, on fera un bon temps. 19-6. En pleine course, c'est bien. Parce que j'ai l'habitude d'être en 2-20. Allez. C'est pas parce que on arrive à la fin de la course qu'on peut pas essayer de se faire des temps. Tout en roulant safe, forcément. Ouais, ça va. Allez. Est-ce qu'on maintiendrait pas ça? Tant qu'on roule dans le même temps du 19, c'est vraiment parfait. Faut pas oublier que forcément, on a quand même la McLaren pas trop loin, à 4 secondes. Donc faut vraiment pas... Faut rester concentré. Ça glisse énormément. Voilà, ça sent la fin de la course. Les pneus, ils sont morts. Ok, presque 5 secondes pour la McLaren. Je pense que normalement ça devrait aller. Là maintenant c'est vraiment pas de faire d'erreur. Est-ce que c'était C'est chaud hein. Ça glisse de partout. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. Sympathique comme course. Pas faire d'erreur. On rentre dans le dernier tour, il faut se donner. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Restez concentré, malheureusement ça glisse. Avertissement là normalement. Même pas. Je m'en sors bien. Du coup on va faire le dernier tour propre. On sait que ça glisse énormément, on sait que c'est pour tous les pilotes, donc c'est pas grave. Ok. Donc là, j'ai pas de pénalité tout simplement parce que mes deux roues touchent encore le vibreur. Donc,
lecture assez tôt, on peut continuer entre guillemets un peu à couper comme ça. Là aussi j'aurais bien joué l'intérieur, mais vu comme ça glisse, on va pas prendre de risque. J'ai presque plus de grippe. Hein. Là, je réaccélère trop fort, c'est un coup à se mettre en tête à queue, là, c'est sûr et certain. Le volant, si je le lâche, il part dans tous les sens. C'est dommage, franchement, j'aurais bien voulu une bagarre jusqu'au bout avec la BM, c'était vraiment bien parti. On reverra après dans la rediffusion un petit peu ce qu'il a fait rater. Mais en tout cas, on s'envole. Une petite victoire simple, honorable. Dans maintenant la McLaren derrière à plus de 5 secondes. C'est top. Et voilà. Et on va se mettre ici pour une belle vision de notre Porsche. Et bien voilà, petite session qui se termine avec la jolie McLaren ici pour la deuxième position. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, c'est comme vous voulez. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!